Ce dimanche, notre journal a le grand plaisir de recevoir une grande star internationale du sport, un grand nom du football, j'ai nommé Didier Drogba, qui évolue dans la fameuse équipe anglaise de Chelsea. Didier Drogba, qui est au Maroc pour encourager les talents marocains de demain, découvert par l'émission Al-Qadam Al-Dahabi de notre chaîne. Cette année, c'était quelque chose comme 18 000 candidats, c'est énorme. Votre sentiment sur cette télé-réalité, comme on l'a qualifié tout à l'heure, de positive et d'éducative ? C'est un moyen de montrer qu'on peut partir de nulle part et puis arriver à devenir un homme et un exemple dans la vie. Je suis content de les rencontrer parce que j'ai envie de leur faire partager un petit peu ma petite expérience et s'ils peuvent tricher un petit peu sur tout ce qui m'est arrivé, je pense que ce serait bien quoi, pour eux. Bon, allez, Al-Qadam Al-Dahabi, bonne chance, bon courage. تعرفوا دائما عندنا شي ضيف ودائما القدم الذهبي يحاول يجيب لكم الضيوف في المستوى رغم المكانه ديالو في اوروبا وفي العالم فتواضع وجا القدم الذهبي باش يشجعكم باش نتمنى تاخذوا منه الحوايج المزيانين Je tenais à vous dire que je suis fier d'être ici parce que là j'ai en face de moi peut-être l'avenir du football mondial parce que l'avenir se construit avec des garçons comme vous qui ont envie de réussir et qui ont envie de devenir des hommes surtout. On m'a demandé de venir ici et je suis venu facilement parce que quand on m'a expliqué un petit peu le concept de l'émission, je me suis retrouvé un petit peu à votre place, c'est-à-dire que moi j'ai eu un parcours très atypique. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de centre de formation, je n'ai pas fait d'école de foot comme la plupart des joueurs. Donc je pense que vous aussi. Et donc c'est un peu par rapport à ça qu'on se ressemble. Et je voulais aussi vous montrer que en ayant un parcours comme vous avez ou comme moi j'ai eu, on peut devenir quelqu'un de bien et de jouer dans une grande équipe. On a besoin d'un renfort pour l'équipe du Al-Qadam Al-Dahabi. Le jury s'est réuni et on a fait toute une liste de joueurs qui nous intéressent. Et on a pensé que Didier Drogba, c'est lui qui peut nous apporter quelque chose de plus. Merci. Hein? Allez, on te donne un petit maillot. Tu le mets. Voilà. Et tu joues avec. Et on verra si on pourra faire le transfert après. Okay. Là, c'est un prêt avec option d'achat. Voilà. Donc, merci. Gardien. J'ai le droit de marquer, non ? Ouais, bien sûr, ouais. Parce que je peux y avoir, ouais. Donc, hey, quand ils jouent à une touche de balle... C'est ah ouais, attention, ils sont forts. Ouais. Oui, il adore Makalele. T'aimes bien Makalele? Oui, oui, c'est alors tu prends et tu donnes. Tu prends le ballon, boum, tu donnes. Tu prends le ballon devant toi, tu prends le ballon. Ne fais pas des passes courtes comme ça, là, non. Et tu peux changer, parce que toi, t'es derrière, donc tu vois tout. Tu vois tout. Tu peux changer de jeu, tac. Quand t'es coéquipé, ils sont trois à côté de toi, tu dis écarte un peu. Là où vous avez pu jouer, ça. Tu te sers du gardien. Bien joué.
Ouais. T'as plein de niveaux ? Non, ils sont bons. Ils sont bons ? Là, tu leur mets les maillots d'une équipe. Ouais. Tu dis que c'est les jeunes d'une équipe professionnelle.